piquer tête nous d'ailleurs moi même nous ready nous retourner avec marche nous et n'a prend toutes les mesures qu'il faut pour que nous capable protéger tête nous peut-être que ça les raisons elle est simple ici en Haïti pas gagner en quelle infrastructure sanitaire qui capable permettre nous chapper en bas ça que nous y là journée jodia dans pays a. Autre que ça, il y a l'immunité collective qui est capable de permettre de nous chapper en balle. Pas gagner un yen comme infrastructure, nous ne pouvons pas être technomantique. Qu'il s'agisse de système de transport en commun que nous gagnons, pas répondre. Qu'il s'agisse de l'école, nous avons gentil moun yo dans la classe, là, yo, pas répondre. Administration publique, là, même le. Yo mandé yo ta di yo ta mete 50% moun k ap travay la still pa répondre et on pa parler de infrastructure sanitaire n'importe Port-au-Prince c'est déjà réel aller voir pour dans toute ville province yo d'où n'a conseillé à chaque grain frère action nou yo continuer prendre tite nous continuer prendre gingembre nous continuer prendre la loi nous continuer prendre raquette nous l'été porter fruit n'a goumen n'a mete marche nous. N'a pas lavé mes noms de temps en temps pour nous protéger la tête parce que l'État ça a dit là c'est un l'État qui a bien aimé ouais nous toutes nous mourir parce que la vie nous pas veut dire en rien pour lui du tout donc protéger la tête nous pour nous être vivant pour nous capable ouais justice dans procès Petro-Caribéa qui pral mettre en bas code monde qui pillé l'argent protéger la tête nous pour nous capable être vivant pour nous capable ouais nouvelle Haïti Haïti tout neuf que ensemble nous allons bâtir ensemble, nous allons mettre les mains. Le régime ça qui là, il est sous 10 ans. On admet ça qui se passe là, ça fait 10 ans. 10 ans depuis que le pays a plongé dans le trou. 10 ans, côté que l'on a essayé d'analyser pilier, qui côté a réussi, qui côté a pas réussi, et bien l'on a regardé, et bien bagala est extrêmement grave. Je dis, en ce qui a trait à l'autorité de l'État, l'autorité de l'État li a te plate. Et si pour nous illustrer comment l'autorité de l'État a te plate, 12 juin Cabral Vinla, pral fait, c'est pral anniversaire police nationale. Mais 12 juin, ça a tout. Pral fait exactement 3 mois, jour pour jour. Date pour date, depuis que les policiers nous ont jusqu'à ce que nous qui étaient morts dans l'exercice fonction, jour pour jour, l'État, pour qu'on dise qui côté cadavre, ni tout qui le la remettre nation, même un petit calme poussière dans le cadavre policier. Et 12 juin va arriver, nous avons regardé pour nous comment la police nationale va le faire. Pour 12 juin, pour la fêter, pendant que jour aujourd'hui, cadavre policier, coco retourner. Nous prenons un petit exemple ça pour nous montrer comment que l'autorité de l'État, c'est un bagaille qui a été plate. Économie. Bon, ça lui même, n'en parlons pas. Tout le monde comment si même il va à terre plate. Non, lui-même, lui en bas. À tes plats, il faut fouiller fond net pour aller. Et dans l'économie, pendant 10 ans, il crée un petit clic tout petit de nouveaux riches, pour 5, 6, 7, 8, 9 familles en plus, additionné sur 10 sacs qui étaient là. Donc, au total, il y a une vingtaine de familles, parmi lesquelles il y a 10 familles de nouveaux riches qui montaient. Par contre, les nouveaux pauvres de ce pays, yo en million. Classe moyenne n'a pas existé encore. Il s'agisse de nous-mêmes comme journalistes qui là, qu'il s'agisse de maître radio, qu'il s'agisse de employer l'État, et ben nous tous ou bien de monde qui travaille dans le secteur privé, nous tous nous c'est des nouveaux pauvres parce que au fur et à mesure que nous avons réduit qualité de ça n'est capable de consommer, c'est au fur et à mesure tout d'après que le pouvoir d'achat nous l'a effrité parce que malgré nous réduit qualité, nous réduit quantité,
et ben nous voyons que nous pas capable qu'embé. Une bagaille qui illustre et que moi le peuple la comprenne. Ça qu'a fait là dans l'économie, et ben c'est dans poche pour garder. Lorsque yo prend circulaire 114 dans mois d'octobre année passée qui te dit que faut que payer mon yo transfert en goutte. Le ça gouvernement qui l'a, il te dit que un goutte et puis deux gouttes qui te qu'on fait sous mange là, il était trop. Ben journée jodi a c'est 15 gouttes, c'est 20 gouttes, c'est 25 gouttes que chaque grain de monde qui a recevoir un dollar dans transfert ici dans Haïti a perdu. C'est un crime que lié. Là nous considérer que gagne 1 million haïtiens qui a vivre de deux transferts. On a calculé qui quantité l'argent. Là on prend 2 milliards à 3 milliards de dollars par année que Frein Action nous envoyé et ben prend chiffre ça multiplié par 15 gouttes, par 20 gouttes, par 25 gouttes, n'a pas de différence que question ça fait dans l'économie pays. Question de sécurité, li a te plate. Joune jodi a, toute famille qui vit ici en Haïti, longtemps yote gen espérance de vie 24 heures de temps, et bien jodi a li moins que 24 heures de temps. C'est une heure de temps. Kidnapping monté en haut tête ciel et de temps en temps nous est l'État qui pas gagne autorité qui perd du autorité la paix du tout souveraine la paix du tout des espaces côté que il a gagne contrôle sur espace physique pays de temps en temps pourtant des gagne une zone en plus côté que gang a prend pied semaine ça yo. C'est en haut dans la boule côté que n'a fait ça moi invité nous à mener enquête dans rendre nous tête nous compte que gagne un nouveau gang qui a pointé et qui a monté dans tout pays là et c'est comme ça situation a passé donc insécurité question de sécurité li à tes plats ça vient bail qui ça vient bail que souveraineté pays là li complètement menacé. Mais si tellement menacé, souveraineté physique, territoire, côté que nous-mêmes dans RDNP, nous ne pouvons jamais demander, jamais, pour que des forces étrangères qui ont débarqué sous terre, que nous-mêmes, les ancêtres nous ont quitté pour nous tous, Haïti, au prix du sang et au prix de l'empile l'argent que nous payons. Cependant, le président de la République, là, nous voyons qu'il a fait demande dans les frais côté que lui-même lui demandait pour que gagne force militaire qui débarquait dans le pays. Et il n'est pas le seul. Gagne plusieurs responsables qui croient et en pile monde dans la population croient journée aujourd'hui pour nous sortir dans sa lia, c'est force étrangère, force militaire étrangère qui pour venir qui pour débarquer. D'où conséquence l'obéit depuis près de 10 ans dans la mauvaise gouvernance qui gagne dans le pays, il est tout prêt à faire nous perdre souveraineté physique territoire. Depuis le mois de septembre qui s'est passé là, le 19 septembre, gouvernement exécutif là, te prend arrêté côté que yo te nommé KEP ça avec mandat yo te balia. C'était dans vendredi. Dans lundi 21 septembre, nous même dans RDNP ici là, nous te baillé une conférence côté que nous te rappelé que mandat que yo baillé KEP ça, c'est un mandat qui inconstitutionnel parce que article 134-2 constitution les clairement dit que yo pas gain droit faire référendum sous référendum. Et nous même dans RDNP nous kembe ligne n'a grandi petit pas position que n'a prend le n'a monté marche escalier dans bataille politique. D'abord
nous menons première bataille pour nous dire nous pas d'accord. Nous menons bataille diplomatique pour nous dire camper sous lui. Et comme nous voyons pas voulu attendre, il aurait été ting-ting-ding, il a mis date 27 juin, qui en passant, m'a dit à tous les frères Maxime catholiques, bien que l'État laïque, m'a dit à tous les frères Maxime catholiques, est-ce que c'est une drôle de coïncidence que l'État a choisi, jour fête Notre-Dame de perpétuel, du perpétuel secours, pour lui attaquer la foi, pour lui attaquer la croyance, non? Lorsque ces jours-là, les choisis pour le mettre référendum. Eh bien, nous-mêmes, nous avons augmenté l'écran. Nous avons augmenté la marche. Nous avons augmenté l'écran, nous avons augmenté la marche. Nous venons de dire aujourd'hui. Nous avons fait un référendum. Sous référendum. NDLP pas non référendum. Pour référendum. Stop sous nouvelle constitution. Nous-mêmes, dans RDNP, nous avons toujours été cohérents avec ça nous dit et ça n'a fait. Nous toujours dire, nous d'ailleurs même il y a un livre qui est écrit sur question ça, le président donné un like un livre sur lui, les plaidoyers pour une nouvelle constitution. Côté que nous dit que nous-mêmes dans RDNP, nous croyons que le pays a besoin d'une nouvelle constitution. Cependant, pour ça arriver fait, c'est un compromis. Pour ça arriver fait, faut bon accord. Moi, pas secrétaire général Bantia. Non, président d'honneur. Secrétaire général Bantia là. Et c'est lui-même qui a la directive sur le comportement du RDR. Si vous me répondez moi-même comme président d'honneur, comme je dit que je suis tourné pour un militant, pour me dire qui côté RDR payé, qui côté RDR payé. Ça veut dire que nous calculons côté intérêt nous y est. Si c'est intérêt nous pour ne pas dire rien, si c'est intérêt nous pour nous faire une conférence de presse, si c'est intérêt nous pour nous associer nous à telle ou telle partie, la fête. Donc nous pas graine sec. On a fait le graine sec là du tout. Nous pas croire dans graine sec et nous pas graine sec. D'accord? Comme président d'honneur, qui veut gagner sur la RDNP? Qui veut gagner sur la RDNP? Qui veut gagner sur le parti politique? Mais un bon regard, sinon je ne président d'honneur, la prise de décision. Qui ça? La prise de décision. Mais prise de décision est faite collectivement. RDNP gagné, secrétaire général, et l'IGO, unité qui est CEN, Conseil d'exécutif national, qui formait d'un certain nombre de militants, militants, secrétaire général adjoint chargé de la communication du FEPALI, secrétaire général adjoint chargé des questions de inter, il parlait tout, et l'autre, il y a certainement un salaire à discuter. D'accord? En d'autres termes, ce n'est pas une partie qui a dirigé par un monde qui a dit je veux, j'exige, j'ordonne. Ce sont des gens qui sont très consensuels et qui n'ont pas pris une décision qui est importante pour RDLD sans que l'IPA mette CERN au courant. D'accord? Autrement dit, comme membre fondateur de RDLD, et surtout comme Madame Maniga, mais tout à fait satisfait et à l'aise de nouvelle direction RDL. Comment c'est le candidat à la présidence? Quel est votre lecture de qui sont dit? Comment c'est le candidat à la présidence? À la présidence, pardon, qui lecture gagne sous crise politique actuelle là? Ah, mais. Vous voyez que le secrétaire général là, il parlait de lui, de crise là. Et ce n'est pas comme ancien candidat à la présidence. J'étais candidat à la présidence, moi j'étais sénateur, j'étais candidat après ça au Sénat, même candidat à la présidence, et fois ça, je ne suis pas candidat du tout. Je ne suis pas candidat, pas en rien, ni pour Kazen, ni pour conseil municipal, ni sénateur, et en haut président, puisque nous avons candidat à la présidence. D'accord? Je pensais que nous avons un bon chemin. Et nous avons remarqué, nous-mêmes journalistes, enfin, il y a une qui est là qui est capable de dire, que je baille une déclaration à la presse. Ce n'est pas une interdiction, c'est tout simplement m'estimer que le moment n'est pas propice pour me parler et que je connais que nous avons fait une conférence de presse et que le secrétaire général a pris le bail qui directive qui gagnait précisément pour partir. Ce qui est fait, ça veut dire que en tant que citoyenne et en tant que RDNPiste, moi, je suis très capable de me suivre. Mais très discipliné. Et c'est discipline ça qu'on a essayé de transmettre
travail, tous les membres ont Dieu en elle. D'accord? Ok, bien, aux affaires internes, Maître Jonas Revance qui lui-même va parler nous de augmentation de cas coronario et sécurité, mais plus particulièrement du point de vue justice. Maître Jonas Revance, vous avez la parole. Nous saluer la presse parlée, presse écrite, presse en ligne, qui, à l'occasion de conférence de presse, payer présence libre pour que le capable connaît qui position RNP sur l'ensemble des points que nous sommes annoncés, à savoir corona, insécurité, même quoi que moi-même, ça concerne moi. Les sous ça RDNP, t'es qu'on fait, l'a continué faire, du point de vue du côté sacré les corona qui a fait ravage sous population noire actuellement. Mais deuxième point à bien pour l'intervenir, c'est insécurité judiciaire. Comment RDNP, dans l'équipe technique, les comprendre ça qui passe. En nous prenant le premier point, Kona nous dit, nous sentons tout le monde interpellé, affolé pendant ces derniers jours. RDNP était toujours absonné, solette d'alarme, pour dire que pour nous continuer à prendre mesure de barrières, ce n'est pas le moment pour nous prendre plaisir, carnaval, mettre la population de côté. Mais je dis à nous en face, une responsabilité nous, que nous devons tourner encore dans prendre mesure de barrières. RDNP continue à dire nous, la accompagner la population pendant que nous allons reprendre le bâton, nous continuer ça, nous avons commencé à faire. Nous avons commencé à accompagner chaque fois la population dans une situation difficile. RDNP toujours campé bon côté. Nous avons continué à accompagner nous, nous annoncer nous, nous allons reprendre dans tout le pays la distribution masse. Et Château d'Oyo, nous adressons nous à tous les responsables départementaux et tout le monde qui est dans la commune. Population en mairie côté que nous pas fait un bagage particulier, mais nous te connaît que eh bien corona il pas gain monde qui fait exception depuis ou vivre ou respirer pour capable prendre. C'est peut-être ça nous te fait une vaste opération de bail moun yo possibilité parce que moun qui pas gain cloyo yo en pile. Mais ça n'a demandé chaque côté château d'eau ça yoyé pour que nous gagner ça nous relo eh bien une solidarité citoyenne qui va faire que nous couper nous pour nous mettre de l'eau là-dedans pour nous capables aider la population. Donc, les gens qui sont dans la province, les gens qui sont dans la mairie côté nous, bail château d'eau, en attendant, nous allons reprendre le bâton pèlerin rapidement pour nous supporter la population parce que faut que la santé pour nous capable eh exister pour nous faire tout le bagage, nous bail priorité avec la santé population. Nous annonçons les casse, masse, nous allons continuer à distribuer. Reste château yo côté ou te n'a demandé placer yo mettez de la dans pour nous. Ça c'est sous premier point hein. N'a dit nous toujours observer geste de barrière yo distance yo mettez cache nous qui ga nous dit son bagage purement politique seulement, mais faut que nous connaît que c'est une réalité à travers monde là qu'on a à faire là. Maintenant sans nous pas trop tarder là tomber dans deuxième point. Deuxième point qui concernait insécurité judiciaire. En pile, on a parlé de détention préventive prolongée. Et l'État lui-même, c'est sous l'île fait cheval de bataille. Actuellement, nous avons seulement gardé ce qui a passé par la justice. Et nous-mêmes, en tant que membres de la presse, nous sommes capables même de faire un documentaire. Nous sommes capables même de dire justice là, il campe. Il campe parce que nous connaissons toute grève qui était faite à travers le juge. Actuellement, il n'y a pas cabalé par la justice. Yo fait voyez, fait tout ça il était capable pour yo déloger tribunal là pour qu'a fonctionner. Moun yo continuer gain qui gain 1 an, gain qui gain 2 ans, gain qui gain 10 ans. Seul sacrété yo c'est action en habeas corpus. Action en habeas corpus là qui sont action lorsque moun nan privé de liberté qu'on capable faire lorsque moun nan gain plus que 48 heures selon le vœu de l'article 26-1 26-2
constitution, c'est le seul côté que nous sommes capables de faire un recours devant le doyen tribunal ressort qui est compétent. Eh bien, action ça n'a pas qu'à faire. Pour qui ça? Ou bien, par exemple, le tribunal de première instance de Port-au-Prince. Réalise qui gagne un parquet qui gagne environ 25 parquetiers. Donc, nous avons parlé, nous, puisque moi-même, je suis au parquet comme parquetier. Tout commissaire du gouvernement, non action en habeas corpus, décide tout simplement de ne pas venir travailler parce que vous connaissez une action en habeas corpus. Or, lorsqu'on parle de parquetier, RDNP arrive dans le moment où il voulait dénoncer sa dernière rigueur. Lorsqu'on parle de parquetier, on parle de commissaire du gouvernement dans la constitution actuelle là, où est l'exécutif? Où est le ministre de la justice? C'est son ouais, c'est son ouais. Donc, c'est ça que fait doyen, bon ensemble de cas, lui obligé pour faire application de l'article 28 du décret du 22 août 1995 qui dit, lorsque vous recours en habeas corpus, et que le ministère public ou le commissaire gouvernement décide pour une raison pour l'autre pour ne pas présenter, doit être obligé de désigner sur demande d'avocat, désigner un juge qui peut jouer le rôle de commissaire du gouvernement pendant que nous avons payé environ 25 commissaires du gouvernement dans la bon paquet pour tout. Et c'est ça qui fait dans toute profession. Donc justice la campagne, nous devons attirer attention et que la population pour faire nous comprendre que. Faut que nous-mêmes nous fixions les yeux, nous-mêmes les membres de la presse, pour nous regarder, parce que ça c'est même bagaille pour vous tous. Comme juge Morin te dit, et vous-même en tant que juge, il y a tant tout simplement de sécurité pour vous arriver au travail, vous n'êtes pas capable. Donc, ou pas même qu'à condamner, donc justice la campagne, c'est la même chose. Si vous avez un problème, justice soit les autres, et eh bien pas que vous avez juge. Même l'autre a les fonds pour devant doyen, nous féliciter doyen, au moins, qui est capable de courage pour le capable de commettre l'autre juge. Si vous besoin de comprendre la justice là, descendre dans le tribunal, aller dans le palais de justice. Or, tandis que l'on aller dans le DCPJ, c'est différent. Ou sentir une atmosphère de justice. Donc, bah, ça a fait que nous, ouais, ça a rongé la société. Mettez sous ça, dans la prison, nous avons commencé à mourir. Pas gagner une série de bagages, pas gagner cacheté, pas gagner de l'eau, alors que nous-mêmes, tout pendant que nous avons fait bataille contre le corona, nous pensons avec Mounio qui est dans la prison, Mounio qui a purgé une peine que beaucoup de gens connaissent qui s'allient, alors que pour ces raisons, ils sont dans la prison, ils sont dans un an. Donc, c'est deux points ça, moi-même, je suis gagné pour m'attirer l'attention. Moi, je crois que nous-mêmes, nous continuer à jouer le rôle de nous pour que le pays a. Les capables dans l'autre pays pour que nous fonctionnions effectivement dans l'état de droit pour que la justice fonctionne. On remercie.